Coucou les filles, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes commandes que j'ai effectuées dans les petits mois qui sont passés. Donc ça sera pratiquement sur eBay, sur AliExpress aussi. C'est vrai que plus ça va, j'adore regarder les vidéos des youtubeuses qui commandent sur AliExpress. Moi aussi je deviens accro à ce site. Mais les commandes arrivent aléatoirement, je ne reçois pas tout le même jour. Donc pour vous proposer plusieurs articles, je ferai des montages. Je vous mettrai également tous les liens des articles que j'ai achetés avec les prix qui s'afficheront par-ci par-là. Et j'essayerai de vous mettre une photo du vendeur, comme ça vous pourrez comparer ce qu'il propose et ce que moi j'ai reçu. Voilà, donc je vais commencer d'abord par Banggood. Alors chez Banggood, donc je ne sais pas si vous connaissez ce site, j'ai déjà fait des achats chez eux. J'avais fait une petite vidéo, il me semble, dans mes hauls, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Donc chez eux, j'ai acheté uniquement, cette fois-ci, les capsules XXL. Ou XL, je ne sais plus comment ça se... Oui, XL, pas XXL, n'importe quoi. Donc c'est pour les nail art forcément. Ça se présente comme ceci. Donc c'est des grandes capsules. Moi je m'en sers pour les faire les concours. C'est plus pratique, il y a plus de place, c'est un peu plus grand. Voilà. Donc dans les sachets vous avez les 10 tailles. Voilà. Et en général on se sert des plus grandes tailles pour faire les concours. Voilà donc. J'avais pris, donc voilà, vous avez toutes les tailles différentes. Voilà, du petit doigt au pouce. Donc j'ai pris 3 sachets et je me souviens plus des prix, mais c'était pas très cher. Bref, hein, vous inquiétez pas, le prix va s'afficher par là. Et je vous montrerai en même temps une petite photo que j'ai réalisée. Un nail art dessus, comme ça vous pouvez voir ce qu'on peut faire. Ensuite, à Aussibel, j'ai pris des capsules. Alors là, c'est des capsules plus petites. On ne voit pas très bien. C'est taille 1. Voilà. Donc ça, c'est une taille vraiment correcte. On va dire que c'est la plus grande taille. Donc, ouais, en général, c'est pour les pouces. Là, voilà, pareil, je m'en sers pour mes entraînements de nail art. Quand j'ai envie de m'entraîner, quand j'ai une idée de déco, je sais pas ce que ça va donner, mais je teste là-dessus. Ou avant, mais je faisais ça aussi pour les concours en fait. Voilà, et ça, pareil, c'est pas cher du tout. C'est genre même pas 1 € le sachet. Voilà. Ensuite, je suis allée à un magasin qui s'appelle Folie Cosmétique, qui se trouve, moi, sur Mérignac. Vous pouvez en avoir un Bordeaux. Hein. Et c'est la résine blanche. Déjà acheté sur eBay. Non, même pas. Que je dis des bêtises. C'est Jalvé Discount. Et je trouve que la résine blanche, elle n'est pas top. Elle n'est pas super blanche. Donc pour faire une French, s'il n'est pas blond, si c'est blanchâtre, moi perso, j'aime pas. Donc j'ai voulu tester la leur. Voilà. C'est un petit pot. 12 grammes. Alors je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Je les ai pas encore testés. J'en fais très très peu en fait. À tester, en tout cas je l'ai trouvé assez cher. Par contre celui-là, 2,89 € le petit pot. Bon, après on verra ce que ça donne. Sur eBay, j'ai pris plusieurs vernis semi-permanents. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que le semi-permanent me sert pour ma maman. Parce que moi, en fait, je ne l'utilise pas tellement. J'aime bien le faire au vernis. Comme ça dure moins longtemps. Et je peux me faire plusieurs décos assez souvent. Enfin, plus longtemps. Franchement, moi, j'adore les Color Club. Et ma déco, elle me dure facile. Une semaine, 10 jours. Voilà, c'est impressionnant. Ça tient super bien. Donc, pour les filles qui savent... C'est des vernis qui se passent sous lampe UV. Et qui tiennent au moins une dizaine, 15 jours, voire peut-être plus si on est chanceuse.
Voilà, donc c'est pratique comme pour ma maman qui travaille en bureau, qui a besoin d'avoir de jolies mains et qui n'a pas tout le temps le temps de tous les 3 jours à refaire sa manucure. Donc j'avais pris un top coat, enfin une base et un top. Voilà, en sachant que les autres que j'avais avant, c'était la marque Orly, si je ne me trompe pas. J'en suis très très contente et je voulais tester une autre marque pour voir la différence. Le top coat, j'en suis contente. La base, pas terrible. En fait, il m'a fait décoller toute la déco que j'avais faite à ma maman. Donc après, je sais pas. Il faudra que je reteste parce que est-ce que c'est le fait que j'avais mis beaucoup de couches aussi de vernis ou est-ce que c'est la base? À voir. Parce que à savoir que donc. J'avais voulu lui faire une déco sur ce joli petit mauve que vous voyez là. Vous voyez, c'est vraiment une jolie couleur pour l'été. Voilà, pour vous montrer, je l'avais posé sur le nuancier. Donc, c'est cette teinte-là. Voilà. Et comme je voyais que c'était assez clair, je me suis dit on va le mettre sur une base blanche pour éviter d'avoir faire plusieurs couches. Donc ma base blanche que j'avais utilisée, c'est celle-là. Donc pareil, je vous mettrai les liens, les prix et tout ça par-ci par-là. Les liens, vous les aurez en barre d'infos. Donc cliquez sous la vidéo. Donc j'avais posé une couche de blanc. Et après, sans rire, j'ai dû poser au moins 3 couches faciles pour que ça fasse bien opaque. Ah, donc, il faut savoir que si on passe trop de couches, on risque d'avoir des décollements de vernis. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a décollé ou est-ce que c'est la base? Donc, il faudra que je reteste ma base avec un vernis qui est plus opaque. Donc, le mauve, très 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 dommage pour la couleur parce que ça aurait pu être super joli. Donc voilà, je ne le recommande pas du tout. Après, c'est des vernis vraiment pas chers. Hein. C'est entre 2 et 4 euros grand max. Donc on ne se ruine pas par rapport à des vernis semi-permanents que vous pouvez trouver à 12 euros facile. Bon, tant pis. Moi, je préfère en avoir plusieurs. Bon, tant pis s'il y en a un ou deux qui ne marchent pas. Donc, ensuite, après, j'ai acheté un espèce de rose rouge fuchsia. Hop. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Mais franchement, celui-là, il pète. Hein. Je vais vous montrer sur le nuancier ce qu'il donne. Voilà, c'est celui-là, là. Donc, parfait aussi pour l'été. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog ou sur ma page Facebook. Je vous mets assez souvent les nail art que je présente et vous risquez de les voir apparaître. Et après, plus sobre, un petit gris. Voilà, donc un joli petit gris. Voilà. Après, si vous avez des bons plans, vernis ou autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ah, pas cher, je suis preneuse. Donc voilà, là vous avez le blanc et le gris que j'ai déjà testé. Donc voilà sur eBay ce que j'ai trouvé. Après, ce que j'ai commandé, des plaques stamping. Donc ça, c'est sur Nez Joli. Alors, ce que j'ai adoré, déjà, c'est que bon, j'ai reçu les petites plaques toutes simples, hein, accompagnées de ça. Donc, c'est trop chou, en fait. On range sa plaque dans le petit étui, on dirait trop comme avant les petits CD d'un titre qu'on achetait, chanteur. Voilà. Donc, j'ai pris cette plaque-là, c'est la BP54. Et en fait, c'est surtout pour le motif à fleurs, là, qu'on dirait comme du monstroc. Et comme j'ai du mal à le faire avec moi-même avec les pinceaux, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas le stamper. Voilà, et pareil, une deuxième. Voilà. Voilà, voilou. Donc là, on est bon pour tout ce qui est eBay, autres, là là. On va passer sur AliExpress.
Alors, AliExpress, je ne vais pas vous en montrer beaucoup parce que, comme je vous ai dit, je vais en recevoir, j'attends mes commandes. Donc, c'est pour ça que je vais faire des montages, comme ça vous en aurez un peu plus. Alors, tout d'abord, j'avais commandé une robe pour ma petite fille. Donc, c'est une robe pour un mariage et je voulais que ma petite fille ait une belle robe. Mais j'avais pas envie de mettre 30, 40 euros dans une robe, étant donné qu'elle va le mettre que 2 mois, quoi. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé ceci. Alors franchement, moi je l'adore. Vous avez le petit nœud avec une imitation ceinture, un ruban qui fait ceinture qui passe sous la poitrine, qui se noue dans le dos. Voilà, vous avez la fermeture éclair ici. Voilà. En plus, elle est doublée, donc pas transparente du tout. Après, moi, je la trouve vachement de bonne qualité. Ouais, il y a un petit fil là. Mais bon, sinon, franchement, super. Alors, question taille. C'est vrai qu'il faut faire super attention aux tailles d'AliExpress, étant donné que ben, taille chinoise est taille plus petite que nous. Mais sinon, vous avez à chaque fois un tableau avec les tailles. Donc n'hésitez pas à prendre les mesures de vos enfants. Pour celle-là, il me semble que c'était, je vous mettrai, hein, vous inquiétez pas. Il me semble que c'était un tableau juste avec la taille, la hauteur en fait, en centimètres. Donc ça correspondait à pile le 3 ans de ma fille en fait. Donc c'est 3T pour eux. Et ça lui va, ça lui allait parfaitement. Par contre, c'est sûr que l'année prochaine, elle ne s'en servira pas parce que là, vous voyez, elle commence à être pile poil. Donc, voilà. Donc, même une taille au-dessus, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, ça va. C'est passé, franchement, super. Je vous montrerai une photo B de la robe portée par ma fille. Donc, j'ai reçu. Donc, vous voyez, ça arrive, tous les trucs arrivent dans des enveloppes. Alors, plus ou moins. Protégé, voilà, tout dépend ce que vous recevez. Sais pas comment on peut appeler ça, de pied d'ordinateur, parce que j'ai en fait j'ai un MacBook Pro. Et dessous vous avez les pieds, enfin, des espèces de, ouais, de trucs comme ça là, qui empêchent que ça glisse et que ça raye. Et à force, ça se décollait, j'avais beau le recoller, ça tenait pas, ça faisait moche. J'ai dit, bon, est-ce que ça existe? Donc je vais sur le site d'Apple, je crois que c'était facile, 5 euros le lot de 4. J'ai fait, attends, 5 euros pour 4 petits machins. Je regarde sur AliExpress, je crois que j'en ai même pas eu pour 80 centimes. Je vous mets le prix. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, il vous met ça dans un petit sachet. Donc, par contre, il faut faire super attention à bien commander par rapport à votre ordinateur, en sachant que vous avez un numéro de série. Donc, regardez bien sur le numéro de série si ça correspond bien au vendeur et vous n'aurez pas de soucis. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Donc, vous décollez cette partie-là et en fait, c'est autocollant. Tac, tac. Moi, je les ai posés. Impec. Ça va faire un petit mois et ça n'a pas bougé. Après, j'étais surprise parce que j'avais commandé un lot. Et alors, est-ce que c'est pas une erreur de ma part parce que j'ai vérifié, j'ai payé qu'un lot. Mais voilà, donc ça, c'est celui que je me suis servi. Donc, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 compris dans des ma foi, et bien, si j'en perds ou si j'ai des amis qui ont le même ordi, qui en ont besoin, et bien, voilà. En tout cas, super contente. Bon, alors par contre, l'inconvénient d'AliExpress, c'est qu'il ne faut pas être pressé pour recevoir ses commandes. Ça peut aller rapide, genre rapide, on va dire 15 jours, hein, c'est pas super rapide, voire un mois, voire plus. Donc si vous devez commander un truc qui est pressant, ça sert à rien parce que les frais de port sont gratuits. Donc c'est pour ça que moi, perso, je m'en fiche que ça soit long, je paye moins cher. Mais par contre, si vous comptez que ça soit plus rapide, vous les commandez à tout prix sur ce site, vous allez payer les frais de port et là, les prix. Ça va, ça s'envole. Donc en fait, pour par exemple une robe que vous allez commander à 10 euros, elle va vous revenir à 50 euros. Donc ça sert à rien. J'ai commandé aussi un jouet pour mon chien.
Et mon chien, quand il a vu, il avait trop envie de jouer. Donc le pauvre, j'ai dit non, tu attends, je n'ai pas montré, je n'ai pas filmé et tout. Donc il est trop malheureux. Donc j'ai fait bon, et bien on va faire en plusieurs parties la vidéo, comme ça tu vas pouvoir t'en servir. Et je voulais vous le montrer d'abord non baveux. Donc voilà, donc pareil, je vous montrais une petite photo de ce qui ressemble normalement, parce que c'était pas tout à fait la même couleur, mais bon, on fout. Parce qu'il me semble qu'il proposait, c'était un beige, et ça c'était marron, et un autre c'était rose. Alors on pouvait pas choisir sa couleur, c'est un aléatoire. Alors j'étais là, pourvu que ça soit pas rose, le pauvre, c'est pas une fille, hein, mais ça se présente comme ça, c'est tout doux là, il y a un dessin d'une petite patte, il y a les cordes pour tirer, pour s'acharner, parce que, hein, et puis ça fait poète poète. Voilà. Et quand j'ai fait poète poète pour voir si ça marchait, ben ça y est. Oh, chouette, chouette, t'as joué pour moi, vite, vite et tout. Hein. Donc j'ai fait non, loulou, tu attends. Voilà, donc il va être content. Je vais pouvoir lui donner. Je vous montrerai peut-être des petites photos quand il s'amuse avec. Alors, ce sont un petit lot de 3 pinceaux liner. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je viens juste de le recevoir ce matin. Hop. Ils se présentent, ils sont assez fins. Pas l'air très très solide. Voilà. Hop, alors je peux vous dire que la qualité, je m'en fichais un peu, c'est pour ça que je les ai pris parce que c'est vraiment pas cher. C'est pour, désolé pour les bruits de chien, c'est pour faire des traits avec le vernis semi-permanent, pardon. En fait, il me fallait des vernis que je m'en fichais de la qualité, étant donné qu'après il faut les nettoyer avec de l'acétone, donc les poils naturels, le pinceau n'aime pas trop ça, donc au moins avec ceux-là... c'est pas très grave. Donc en fait, c'est un lot de 3 avec 3 tailles de poils différentes. Voilà. Donc à tester. Pareil, je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Ça, c'est pour mon homme. C'est pour son téléphone. Donc étant donné que là, il est au travail, je vous montrerai en photo ou en vidéo vite fait de l'état de son téléphone. Donc je regarde ce que c'est, si c'est bien ça. J'ai commandé les verres trempés que vous mettez en protection pour votre vitre en fait, pour pas que ça se casse, que ça se raye. Donc je lui ai commandé ça et le problème c'est que il a cassé aussi derrière et c'est comme une vitre en fait, ça s'est pété, donc je vous montrerai une photo. Et donc j'ai cherché sur AliExpress s'il faisait cette pièce, parce que sinon ça coûte super cher. Il faut au moins facile 20, minimum 20 euros. Donc j'étais la mince, 20 euros pour un téléphone qui a déjà presque 2 ans passé. Voilà quoi, hein, ça fait mal. Hein. Donc j'ai cherché et ils en ont. Alors super bien emballé, qui était dans cette boîte. Avec ça, plus encore un film. Alors, donc, je sais pas trop si c'est de la contrefaçon ou pas. En tout cas, vous voyez bien, donc mon chéri, il a un Sony Xperia Z2. Donc, il y a marqué le Sony là, le Xperia là. Mais franchement, je vous dirais ce que mon homme en pense quand il va rentrer ce soir du travail. Moi, je vois pas la différence avec celui-là et le sien. Bon, le sien, on voit plus grand-chose vu que tout est pété. Alors, bon, maintenant, il n'a plus qu'à le mettre. Donc, je vous mettrai une photo de son téléphone cassé, ses impressions et avec la pièce posée. Donc, ils nous ont envoyé avec... tout un petit kit qui, à mon avis, sert à changer la pièce. Donc voilà.
En tout cas, il va être super content parce que il avait pas envie de payer cher et en plus il avait peur que ça mette longtemps à venir ça. Et en fait, non, pas du tout. Je crois que je l'ai commandé il y a même pas une semaine et demie. Ouais, j'ai pas attendu 2 semaines, ça c'est sûr. Donc moins de 2 semaines, donc super rapide. Franchement, top, top, top. Donc maintenant, plus qu'à voir si mon homme arrive à le mettre. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo spéciale haul. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai préféré m'arrêter là plutôt que de continuer car j'ai d'autres produits à vous montrer, mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez en rien des prochaines vidéos que je vais faire sur... Alors là, il y aura beaucoup plus du AliExpress. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce site, donc voilà. Là, j'ai encore une vidéo pleine à préparer. J'ai plein d'autres produits en attente de recevoir. Je compte acheter encore. J'ai trouvé plein de petites merveilles. Donc voilà. Et puis, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis... Abonnez-vous, ça me fera super plaisir, ça va m'encourager. Voilà, bon, bref, je vous fais de gros bisous.